Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo de présentation de mon Solex 3800 de compétition en roue de 16 pouces. Ce que vous avez là est le petit frère de mon Solex 3800 de compétition en roue de 19 pouces. Cette vidéo est complémentaire à la vidéo sur ce même Solex intitulée Solex 3800 compétition 16 pouces, renaissance et premier démarrage 2021, hashtag vlog. Alors ce Solex est né d'une rencontre de plusieurs idées. Réutilisation d'un cadre d'un projet avorté de Solex électrique de compétition. Suggestion d'une machine plus performante par mon entourage. Expérience de pilotage satisfaisante en catégorie promotion. Et inspiration du Solex de l'équipage Les Juniors. Et en voici la photo. Pour ce Solex, je suis parti d'une base d'un cadre de 3800 avec une fourche de 5000. L'idée est de faire un Solex d'un petit gabarit, comme un Solex 5000, monté de pneus en 16 pouces, équipé de pneus de cyclomoteur Sava MC2 en 2x16, afin d'avoir un excellent grip dans les virages serrés. Un guidon de VTT et une selle basse. Je vous laisse regarder les photos de la version 2014. Ces photos ont été prises avant le démarrage de la saison de compétition. Je vais vous insérer une anecdote de ce Solex lors des 24 heures Solex de Chaumont 2014. Je n'avais pas mis de système de pédalier. Tout en voulant être dans l'esprit d'un Solex de catégorie promotion, j'avais fixé des pédales directement sur le cadre, sachant que dans le règlement national UFOLEP 50 à Galet, il est stipulé que le repose-pied est interdit et que le système de pédalier strictement d'origine. Mais rien ne stipule que le cadre du Solex doit être équipé du système de pédalier et rien n'interdit de fixer les pédales directement sur le cadre dans les catégories origine et origine améliorée. Ce qui a provoqué un scandale auprès du directeur technique et du directeur de course d'avoir été à la limite de cette innovation. Mais toutefois, j'ai pu prendre le départ avec une réserve contestataire. Je vous laisse regarder les photos. Aujourd'hui, j'en rigole de cette anecdote avec le recul et le temps, vous voyez. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer les fameuses pédales, voilà, que j'ai modifiées, les voilà. Donc c'est un pas fileté M10, donc qui était fixé directement sur le cadre à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà les fameuses pédales de litige. Donc j'en avais bien sûr deux paires et j'avais bien sûr une autre paire. Je sors du sachet, voilà, deux paires de rechange si des fois j'en pète une. Et l'avantage c'est que c'était des pédales amovibles qui bougeaient. Ah, c'est pas facile, voilà. Donc elles pouvaient se replier. Donc moi je pouvais les mettre comme ça. Et puis. Dès qu'elle se dépliait, tac, voilà, c'était aussi de façon qu'elle puisse bouger en cas de chute, voilà. J'ai fait la saison 2014 complète avec ce Solex et une course en 2015. Et cela m'a permis de découvrir les défauts et les qualités de conception de ce Solex. Je vais d'abord énumérer les qualités. Un point de gravité très bas et même plus bas qu'un Solex 5000. Une grande agilité, une grande aisance directionnelle grâce à son guidon droit, une attaque en toute sérénité des virages serrés,
une rationalisation de la plupart des pièces avec son grand frère, dont les moteurs. Maintenant, je vais vous énumérer les défauts. Une mauvaise relance en sortie de virage par l'absence du système de pédalier. Une poignée de gaz difficile à maîtriser. À l'origine, c'était une poignée d'accélération, mais je l'ai remis à l'origine comme un Solex routier en poignée de décélération. Une peinture de mauvaise qualité. Comme la peinture étant de mauvaise qualité, j'ai décidé de refaire la peinture décorative et opter pour 4 coloris. Vous retrouvez le 9005 mat, donc qui est un noir mat, donc vous le retrouvez sur les roues, ici, ici, voilà, vous en retrouvez un peu partout. Il est majoritairement présent, même sur la béquille, voilà, la béquille amovible, je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Vous retrouvez le RAL 7004 mat, donc c'est un gris, voilà, vous le retrouvez sur le garde-boue, vous le retrouvez aussi là, là, bien sûr aussi de l'autre côté. Donc voilà, il est présent un peu partout sur le cadre. Vous retrouvez aussi le RAL 1003 mat, donc c'est un jaune, donc il est présent sur la poutre, voilà, présent aussi là et là, voilà, un peu sur le pare-chute, voilà. Vous retrouvez aussi le 2010 mat, donc c'est un orange mat, donc vous le retrouvez de l'autre côté sur les fourches, le long des longerons, voilà, un petit peu à l'arrière, bon là on le voit pas trop, mais par rapport à l'angle de caméra et la position de caméra. Et une fois le travail terminé, je vous montre le résultat en photo. C'est de 2021. En 2019, comme son grand frère, j'en ai profité pour le passer dans la catégorie origine améliorée. Maintenant que je vous ai présenté ce Solex, je vais vous présenter tous les détails que l'on peut retrouver sur ce Solex. Donc voici mon Solex, hein, mon deuxième Solex sur son ensemble. Donc je vais vous détailler le tout. Voilà, je vous fais un petit tour rapide, voilà, voilà. Donc on va commencer par la partie avant, donc la plaque numérotée 440, voilà. Donc si vous me voyez sur le circuit, bien c'est moi, tout simplement. Ensuite on va se diriger sur le guidon, voilà. Donc voilà, c'est pas un guidon de Solex, c'est vraiment un guidon de VTT, avec la barre droite, la potence qui est là, voilà, qui permet aussi de fixer le système de cigarette et la plaque numérotée, mais on va y revenir. Le plongeur, c'est un plongeur de VTT mais qui a été modifié, voilà, qui a été régéné pour pouvoir l'insérer dans le tête de fourche de Solex, donc c'est un vrai tête de fourche de Solex. Ensuite sur le guidon on retrouve un support de caméra embarqué, voilà, qui est juste là. Donc voilà, quand je filme en caméra embarquée, bah, sur ce petit Solex je le mets juste ici. Vous avez le compteur Sigma MC8, voilà, dont l'aimant, voilà, donc le câble il passe là tout le long, comme ce grand frère, voilà, il passe tout le long, voilà, et l'aimant se trouve à l'arrière, voilà, tac, voilà, vous l'avez vu, il est juste là. À chaque passage, voilà, ça fait un comptage et ça permet d'alimenter le compteur. Vous avez la sonnette, voilà, donc classique, hein, pareil, même principe que son grand frère, ça permet de signaler le passage dans les stands, donc il sait bien de se faire avertir, parce qu'avec le brouhaha des moteurs, c'est pas évident. Vous avez le frein avant, vous avez le lever de cigarette, bon là j'ai pas mise, mais le câble ressort par ici, voilà, donc ça c'est le câble de la cigarette, ça c'est le coude de cigarette, et vous avez le câble qui démarre là, qui passe tout le long et qui ressort là, voilà, ici comme ça, voilà. Donc là vous avez le câble de cigarette, et avec un système où je peux accrocher sur le moteur, je peux lever le moteur, et avec le système cigarette, ça permet d'avoir un petit glissement du galet sur la roue et permettre d'avoir un petit coup d'accélérateur, voilà. De l'autre côté on continue, donc ça c'est le coupe-circuit à l'arraché. Ensuite vous avez le décompresseur, voilà, décompresseur cyclo, voilà,
qui est juste là, voilà, il suffit d'appuyer. Donc quand je suis sur en conduite, voilà, je rapproche ma main et hop, je peux décompresser. Voilà, donc comme il n'y a pas de décompresseur sur un guidon de VTT pour le Solex, donc j'en ai rajouté un. Le bouton coupe-circuit, voilà, donc ça fait le même travail que le coupe-circuit, mais là c'est manuel. Voilà, la poignée de gaz, hein, à l'origine c'était une poignée d'accélérateur comme je le disais, mais comme ça n'est pas, je l'ai remis à l'origine comme un sabotier, donc ça permet de décélérer, voilà. Donc vous voyez, hop, j'active, je fais tourner la poignée de gaz, voilà, voilà, et pareil, hein, voilà, ça ferme les gaz, voilà, donc c'est une poignée d'accélération. Alors un peu plus de détails sur le coupe-circuit à l'arraché, donc voilà, je vais le mettre, voilà, donc là il est à l'avant. Le coupe-circuit c'est obligatoire, et c'est prévu dans le règlement national UFOLEB 50 à Galet, et donc quand le coupe-circuit vient, ça coupe l'allumage, donc c'est obligatoire, voilà, donc en cas de chute, hein, voilà, par exemple si je suis éjecté du Solex, voilà, le coupe-circuit vient avec, et ça coupe le moteur. Ensuite on continue, donc sur au niveau du guidon, voilà, il y a un grand levier de frein, mais ça c'est le frein arrière. Alors comme le frein arrière de Solex, voilà, c'est, voilà, milieu de frein, voilà, avec le tendeur, comme c'est toujours difficile à freiner, donc j'ai mis un grand levier de frein avec des régleurs de tension, voilà, même principe que de chaque côté, même pour la sirette, hein, pour régler la sirette, j'ai mis ça, voilà, donc j'ai mis un grand levier pour freiner, mais voilà, avec cette grande manette, je peux vous dire que ça freine absolument bien, c'est super, c'est génial, voilà, donc on peut vraiment freiner au dernier moment, c'est le top, hein. Alors aussi par rapport à la réglementation, il faut avoir les extrémités de guidon bouchées. Donc j'ai mis des embouts de guidon, voilà. Donc ce sont des embouts de guidon qui sont vissés avec un espèce de cône de maintien, voilà, de chaque côté. Voilà, que j'ai mis ici. Et ils sont à la même couleur du cadre, en RAL 9005 mat. Donc au niveau du moteur, c'est un moteur préparé compétition, voilà. Donc si vous voulez en savoir plus au niveau de ce détail du moteur, je vous invite à revoir la vidéo ou à voir la vidéo de mon premier Solex, hein, le Solex 3800 de compétition en roue de 19 pouces. Donc j'explique tout dans les détails, hein, voilà, qu'il y a des turbo boost, voilà, qu'il n'y a pas de boîte à air, mais pourquoi, le carbu modifié avec un gicleur, voilà, tout ça. Mais pour les détails, voilà, j'explique tout dans ma vidéo de mon Solex 3800 de compétition en roue de 19 pouces. Ensuite, vous avez le pot d'échappement, voilà. Donc là, il descend. Voilà, c'est pas l'échappement avec le ressort. Là, je l'ai pas mis, mais normalement, il y a un ressort qui est là, comme son grand frère, où le ressort tient le pot. Je tire le ressort, je tire le pot, ça retire le pot. Bon, là, j'ai juste mis avec juste une vis, voilà. Donc c'est un autre pot, mais le système est le même que son grand frère. Un ressort pour plaquer le pot vers le haut et qui s'emmanche dans la pipe. Tout comme son grand frère, voilà, il dispose aussi d'un parachute super large. Donc je peux enlever le moteur ou remettre un autre moteur sans me soucier du parachute. Il n'y a pas besoin de se soucier du parachute pour changer de moteur. Donc je vais revenir sur ce fameux petit câble. À la base, sur mes moteurs de compétition, je ne mets pas de poignée de relevage. Déjà, à l'origine, sur un Solex routier, les poignées de relevage ont tendance à casser. Donc là, j'ai mis une platine de décompression 5000. Mais pour pouvoir lever le moteur, j'ai mis ce fameux petit câble. Voilà, c'est surtout utile en cas de panne, de pouvoir lever le moteur et de rentrer en stand moteur levé tout en pédalant. Donc je viens mettre mon pouce ici, je lève le garde-boue, je lève le moteur, je place le petit câble, voilà, je relâche le moteur et normalement c'est roue libre, voilà, je lève le moteur, voilà, la roue est libre, voilà, voilà. Donc je peux rentrer au stand roue libre, voilà. Alors au niveau de la direction, voilà, j'ai mis des butoirs de porte en caoutchouc de chaque côté, donc ça c'est spécifique à la fourche type Solex 5000, voilà, donc on peut en fixer de chaque côté. Un tordeau de frein Solex qui est plus simple. Je redescends les freins à patins. Ça peut étonner certains, mais les freins à patins par temps sec, ça freine super bien. Voilà. Rien de particulier. Si ce n'est peut-être que, voilà, le garde-boue, à la base c'est à l'origine un garde-boue en inox que j'ai fait thermolaquer. Une bavette type 5000, voilà. Des trains que j'ai rajoutés. Les pattes de fixation que j'ai soudées sur les bras de fourche, voilà, de chaque côté, où j'ai bien mettre ces fameuses tringles sur mesure. Alors, au niveau de la conception des roues,
Alors, ce sont des moyeux de 3800 avec des jantes 16 pouces et des bons rayons à la bande longueur. Voilà. Donc en fait, comme je suis parti sur un cadre mixé 5000-3800, il fallait adapter aussi les pièces. Tout comme son grand frère, donc il faut bien aussi rationaliser les pièces, le raccord électrique rapide, donc il est juste là, donc il est un peu plus dur, voilà. Donc voilà, raccord électrique, hein, universel à tous mes Solex, voilà. Voilà, quand je débranche ça, je désolidaire l'électricité du moteur au cadre. Bon, concernant la poutre, rien, pas de modification, voilà, tout, une poutre de 3800. Avec un jonc peint, voilà, donc on retrouve les motifs colorés. Alors au niveau du repose-pied, donc c'est un repose-pied de 3800, petite comparaison avec un repose-pied de 5000, entre le sol et le repose-pied, sur un 5000 on est à 33 cm. J'ai mesuré, là on est à 30 cm, donc déjà il y a 3 cm en moins par rapport à la garde au sol. Donc déjà le centre de gravité est plus bas que celui avec 5000, mais ce n'est pas tout. Si vous la selle est plus basse, voilà, j'ai vraiment mis au strict minimum. On est vraiment très 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 bas, hein. J'ai même mis les pédales, vous voyez la différence entre ma main et la planche, elle est vraiment minime, hein. Il n'y a pas grand chose, donc vraiment le centre de gravité est très très bas. C'est une bonne chose puisque c'est la chose qu'on recherche en compétition. Donc il y a le système de pédalier qui est juste là. Rien d'exceptionnel, hein. C'est un pédalier de 3800 que j'ai fait thermolaquer en RAL 9005 mat, donc noir mat, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas mis la fameuse rondelle qui permet de caler. J'ai mis les fameuses rondelles de calage qui sont juste derrière, de chaque côté. On les voit pas bien, mais voilà, les rondelles plus des rondelles métriques M16. Voilà. Donc, clavette et tout. Si ce n'est que, comme tous mes Solex, voilà, j'ai mis une buse avec deux rondelles M6 pour pouvoir caler la buse et éviter qu'elle tape dans l'axe de pédalier. Voilà. Donc, je vous recommande de faire ça sur tous vos Solex. Donc je vous ai parlé de la selle, mais en dessous de la selle, comme son grand frère, voilà, vous trouvez une trousse, voilà, et dedans pareil, une bombe anti-crevaison et éventuellement le câble pour lever le moteur. Alors le câble pour lever le moteur, il se trouve juste là. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Autre chose concernant la béquille, alors la béquille est amovible, hein, donc en compétition il est interdit d'avoir une béquille. Par contre il n'est pas interdit d'avoir une béquille pour le stationnement, donc ce qui est le cas, la béquille est amovible comme un flambi. Donc je vais vous montrer, hop, voilà, donc elle se retire très facilement, voilà. Donc il y a une encoche, voilà, comme son grand frère, même principe. De toute façon elles sont partagées, hein, je peux très bien les échanger avec le grand frère, il n'y a pas de problème. Et pour la remancher, voilà, je la passe en dessous, j'ai créé un système d'emboîtement, voilà, donc là il faut la tenir un petit peu, voilà, et hop, elle est remise. Donc voilà la béquille amovible. Pour les roues arrière, alors ce ne sont pas des roues de type 5000, c'est un mixage, comme à l'avant, donc c'est un trou moyeu de 3800, avec des jantes en 16 pouces, voilà, adapté avec des rayons de la bonne longueur. Équipé comme les fameux pneus Sava MC2. Voilà, MC2, et est-ce qu'on voit la marque? Voilà, 2 1/4 par 16, voilà. Donc c'est la taille des pneus, voilà. Pneus Sava Vroom, voilà. Donc c'est ce que j'équipe. Vous voyez, il y a le passage est très restreint, voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un câble de 3800 pour avoir au moins l'espace pour ce type de pneu. Et vous voyez, hein, l'espace il n'est pas énorme, il reste plus grand chose. Je vais vous montrer de l'autre côté, voilà, au niveau de la roue, c'est vraiment limite. Voilà, c'est pour ça que je suis parti sur un cadre de 3800 pour avoir l'espace pour ce type de pneu. Voilà. Après la chaîne classique, moyeu classique, de toute façon c'est du cadre de 3800 pour le reste, hormis la fourche qui nous fourche de 5000. Voilà. Bon, les plaques numérotées 440, obligatoire, plaque latérale de chaque côté. Voilà. Ensuite aussi l'éclairage. Je vais remonter un peu plus haut au niveau du porte-bagages, donc pas de boîte à outils, hein, accessoires interdits, ça doit être retiré. En revanche, vous retrouvez les butoirs par chute comme son grand frère, voilà. Donc là vous voyez, ils n'ont pas été utilisés puisqu'il a été refait. Un support de batterie pour le super éclairage comme son grand frère, voilà. Comme j'ai dit, je rationalise les pièces avec le grand frère. Une pompe, voilà, une pompe
pour regonfler les pneus, en complément de la bombe anti-crevaison qui se trouve dans cette trousse, voilà, elle est scotchée pour pas la perdre. Pour revenir aux porte-batteries du superglage, voilà, donc je les fixe ici, j'attache comme son confrère tout le long, je ceinture au niveau de la poutre, voilà, je passe tout le long et je les fixe à l'avant. Bon, je ne l'ai jamais encore fait, mais c'est le même principe que son grand frère. Donc si vous n'avez pas vu la fixation de ces fameux modules de super éclairage, je vous invite à voir la vidéo de son grand frère, le Solex 3800 compétition en roue de 19 pouces. Alors je repasse de l'autre côté, donc comme tous mes Solex, comme Solex de compétition, pour ceux qui ne savent pas, j'assure mes Solex de compétition, il y a une assurance. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la licence UFOLEP, dans mon cas la licence UFOLEP R6, fait office d'assurance. En tant que pilote, moi elle me couvre, voilà je réexplique la chose, elle me couvre. Si je commets un dégât sur un spectateur, ça c'est couvert. Par contre ma machine, si elle, elle commet un dégât ou un dommage sur un spectateur, ma machine dit bien ma machine, ça c'est pas couvert. J'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur mon premier Solex. Voilà. Il y a des dispositions dans la PAC qui est un courtier en assurance, mais qui était aussi une filiale de la Ligue de l'Enseignement. Et dans les filiales de la Ligue de l'Enseignement, vous retrouvez l'UFOLEP. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'assure. Mais aussi pour pouvoir l'assurer, il faut qu'il soit immatriculé. Voilà, donc l'immatriculation est là. J'ai caché l'immatriculation pour des raisons de confidentialité, mais voilà le principe. Pour pouvoir assurer, il faut immatriculer. L'immatriculation, c'est plus par rapport à l'assurance. Alors, l'éclairage d'origine qui se trouve là et aussi à l'arrière fonctionne, hein. Il est totalement fonctionnel. Et en complément, pour les épreuves nocturnes, je fixe les deux super modules qui éclairent aussi bien qu'une voiture de rallye, comme je l'expliquais dans ma première vidéo de mon premier Solex. Maintenant que je vous ai présenté le Solex et fait le tour de ce Solex pour vous montrer dans les moindres détails, je vais vous montrer les accessoires et pièces détachées associées à ce Solex. Donc nous voici, voilà, donc je suis avec ma caisse d'accessoires et pièces de rechange et je vais déballer avec vous le contenu de la caisse pour vous les présenter. Voilà, donc j'enlève le couvercle. Donc voilà, comme son grand frère, un réservoir de rechange avec la durite, voilà, qui est là, la durite. Si des fois les fixations pètent, je préfère changer le réservoir entièrement et de manière complète. Ensuite, de l'essuie-tout, c'est toujours utile, voilà. Ensuite, du savon, voilà, pour se nettoyer les mains quand on fait de la mécanique, c'est toujours utile. Une chambre à air de rechange, voilà. Chambre à air 16 pouces. Alors, un support renfort pédalier pour le Solex, voilà, de rechange, où j'insère ici la biquille, voilà, donc c'est avec ici, j'emmanche et après je bascule et ça tient, donc elle tient comme ça, voilà. Je vais simplement la poser, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les pédales de rechange, voilà. Voilà, cette fois-ci avec, non pas avec des clavettes, mais avec des vis, voilà, des vis carrément, voilà, j'ai carrément mis des vis M10, donc c'est un petit peu différent par rapport à ce grand frère. L'autre point est là, voilà, l'autre pédale de rechange est là, voilà, voilà, donc un pédalier, un système de pédalier complet de rechange, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un sachet. Bon, je vais déballer après avec vous. Des sacs poubelles, puisque quand on fait des courses de Solex, il faut débarrasser les détritus. Voilà, c'est demandé dans le règlement. Voilà. Charge à chaque équipage de débarrasser les détritus. Voilà, donc toujours s'équiper d'un sac poubelle. Ça peut toujours être utile. Une plaque numérotée avant de rechange. Voilà. Ça aussi, c'est toujours utile. Voilà. Des patins de frein de rechange, voilà, parce que de toute façon, selon les courses, on en consomme plus ou moins. Toujours bien d'en avoir à proximité. Voilà, bon, ça c'est une liste de vérification de tous les ensembles. Je vais la glisser en dessous pour pas la perdre. Et je vais ouvrir le sachet du contenu. Alors, globalement, voilà, il y a des vis de rechange.
Il y a de la visserie de rechange, voilà. Alors elle est un petit peu moins par rapport à son grand frère, mais le principe est le même, voilà. La visserie bon marché, de chez Bricotruc, voilà. La visserie première qualité, hein. Voilà, on s'en fout, de toute façon, c'est un peu de la visserie dite consommable, voilà. Donc c'est les foirées, on la bazarde et puis on en prend d'autres. Voilà, donc c'est plus comme son grand frère, c'est la visserie qui est orientée à ce seul axe, voilà. Donc je vais tout remettre dans le sachet, voilà. Voilà. Ah oui, ça c'était le système de décompression de version 2014. J'ai encore dedans, mais je l'ai gardé, c'est pas grave. Voilà. Donc on a une entretoise de frein de rechange. Parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des problèmes. Donc sur ce Solex, je préfère en avoir une de rechange. C'est pas tout. J'ai aussi des roues de rechange, voilà. Une roue arrière de rechange, voilà, qui est là. Voilà. Et une roue avant de rechange, voilà. Roue avant de rechange aussi. Mais ce n'est pas tout. Hop, j'ai des pots d'échappement. Donc un pot d'échappement. J'ai deux pots d'échappement, voilà. Et j'ai trois pots d'échappement, voilà. Donc trois pots d'échappement qui sont aussi partagés avec son grand frère, voilà. Donc comme je dis, je rationalise les pièces. Donc il y a pas mal de pièces partagées entre les deux Solex de compétition, mon 19 pouces et mon 16 pouces que je vous ai montré. Et voilà, c'est à peu près tout sur la présentation des pièces. Ah, j'ai failli oublier. Comme son grand frère, une poutre de rechange. Donc ça, c'est pas la poutre du premier Solex, mais c'est bien une autre poutre du petit 16 pouces. Puisque de toute façon, là, juste là, il y a une petite base de renfoncement. C'est pas bien méchant, mais voilà, c'est comme ça que je l'arrive à la différencier au niveau du cadre. Au niveau des pièces de rechange. Donc voilà, on a fait le tour des pièces et puis on va continuer sur la vidéo. Voilà, je vous ai fait le tour du Solex et de ses accessoires de remplacement. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous présenter son palmarès de course, même s'il est très court, avant de conclure cette vidéo. C'était la présentation de mon Solex 3800 de compétition en roue de 16 pouces. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.